Bonjour. Bien, nous allons faire des pratiques sur Internet. Je suis désolé des circonstances en fait qui nous imposent d'être confinés. C'est la vie, c'est comme ça. Je vous propose d'utiliser ce temps pour faire des pratiques de yoga et pour les poursuivre. Et ce qui m'a amené à prendre cette décision, donc de donner ces cours de yoga pour Internet, c'est pour que chacun puisse poursuivre sa pratique, parce que je pense que, surtout dans ces circonstances, maintenir une pratique du yoga, c'est essentiel et c'est vital. Donc il faut voir en ce moment, en cette circonstance, comme une opportunité. En fait, c'est cette opportunité qui peut nous permettre de nous prendre en main et de mettre en place une pratique personnelle à domicile. Voilà, donc utilisons ce temps au mieux. Ce qui est important pour cela, j'insiste sur ce point, c'est de créer votre espace chez vous. Voilà, comme celui-là, c'est mon espace de yoga. Bienvenue dans mon espace. Dans votre maison, même si vous avez une petite maison ou un petit appartement, trouvez cette place qui est dédiée au yoga. Vous pouvez amener des symboles pour vous, de façon à ce qu'il y ait un rituel, des bougies, peut-être une image, peut-être une pierre, peut-être n'importe quoi qui vous convient. Un endroit où vous pouvez laisser votre tapis, si c'est trop petit, vous le roulez, mais vous avez la possibilité de le dérouler. Si vous pouvez le laisser, laissez-le. Amenez un bolster, amenez un coussin, une serviette, une couverture, voilà, vous repliez tout ça quand vous avez fini. C'est votre espace de yoga qui est à vous. Et c'est fondamental d'avoir cet espace à l'intérieur. C'est un espace sacré. Un espace profond. Donc c'est déjà poser un acte de yoga, de créer cet espace dans lequel vous pouvez vous retrouver, si ce n'est simplement que pour aller respirer. Vous asseoir, respirer. Vous restez où vous êtes, faites votre vie, je vais prendre du temps pour moi, 2 secondes. Eh bien ça, c'est important. Et puis, donc, cela va vous permettre de mettre en place cette pratique du yoga et donc de suivre ces cours que je vais vous donner tous les jours, un cours par jour. Voilà, c'est l'objectif que je me suis donné. Un cours par jour pour qu'il y ait une diversité. C'est sûr que vous pourriez travailler sur le même cours tout le temps, mais je ne pense pas que ça soit le but du jeu. Il faut qu'il y ait de la variation. Et puis, il faut que on se sente solidaire ensemble. C'est-à-dire que, voilà, moi, je vous imagine en face de moi, je vous imagine au cours comme tous les jours, et vice-versa. Voilà, donc le fait d'être curieux, de se dire, bon, quel cours va tomber aujourd'hui, et de le faire, je pense que ça sera une magie que l'on peut mettre ensemble et qui va nous faire rentrer dans un mouvement intéressant. Voilà. Comment pratiquer sur Internet? Donc, je me suis posé cette question, donc c'est à mon sens, bien sûr, ça m'est personnel. Donc, je donnerai les cours comme habituellement. J'essayerai de bien me poser dans mes explications et de faire les postures, bien sûr, pour que vous ayez un modèle. Mais je vais vous inviter à pratiquer en suivant ma voix, le plus en intériorité possible. Si vous êtes perdu, rouvrez les yeux, regardez l'écran pour savoir où j'en suis. Et dès que vous reprenez le rythme, de nouveau, refermez les yeux ou posez votre regard à l'intérieur de façon à vous détacher de cet écran.
Ça, c'est ce que je vous invite à faire. Donc, mettons ce temps à profit pour développer notre pratique de yoga. C'est pour notre santé, c'est pour nos proches et puis c'est pour notre planète. Commençons. Merci à vous pour suivre ces cours.